suite, c'est l'heure de Julien Casar. RMC, le grand after, l'instant Casar. Je suis vraiment vintage comme mec. C'est pas aujourd'hui, madame, ça ? Si, bien sûr, 14h. C'est aujourd'hui. Antenne 2, 14h. Ah, je suis fort, hein. Il faut regarder que ARD pour l'autre. Polo, tout ce qui est avant la chute du mur, il est là. Après, il est moins présent, on va pas se mentir. On a la mémoire sélective, ça peut aider. Fred, tu nous as sorti tout à l'heure que Majorque et une autre équipe, c'était deux candidats à la descente. Alors, je veux pas dire, mais faut être complètement con pour être candidat à un truc pareil. Vous voulez pas être candidat. Non, mais franchement, s'il y a les élections à la descente, je suis pas candidat, moi, je te le dis tout de suite. Mais bon, bah, c'est un choix. Bordeaux, alors Gilbert, tout à l'heure que Bordeaux, t'as dit qu'ils ont posé la première pierre. C'est sûr qu'ils ont pas posé le premier marbre de la stèle du club, parce que moi, franchement, je vois pas l'intérêt de faire un stade pour ce truc. Donc, vérifie quand même tes sources. Il y a un auditeur qui a dit qu'il voulait créer le riolisme, t'as vu? C'est con, s'il crée le triolisme, il peut te mettre dedans, ça peut être sympa, il peut y avoir une bonne ambiance, hein, Gilbert. Bah, Gilbert, pour faire un petit triolisme avec l'auditeur. Ça va, je l'accepte. Hein? Puisque ouais, en ce moment, c'est, hein. Gilbert, c'est, bien, dans, ouais. C'est ton truc. Je te donne une bonne place. Hein. Je voudrais revenir sur. profiter. No comment. Oui, c'est mieux. La loco. PSG-Barça. Alors, pour revenir dessus, parce qu'il y a Fred, quand même, te rappelle Fred, hein, je farfaronnais, je me suis planté. Le PSG n'est tu pas passé. Tu veux mettre en vacances, ouais, mais j'étais pas loin. Hein, on se foutait de ma gueule. Mais on y a cru, on était peu nombreux. Mais comme disait ce grand philosophe italien Jacopo Menicali, que tu as connu, Daniel, un vincitatore fa l'insegnatore che non abbandona mai. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais a priori, ça veut dire un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. C'est une très belle phrase. Et moi, je suis un peu comme Galilée, comme Copernic, comme Daniel Riolo, tous ces grands visionnaires. Alors, bien sûr, il y en a un qui voyait la Terre ronde, les autres la voyaient plate. Alors que Daniel, c'est différent. C'est-à-dire que tu vois la petite nouvelle de la Conta, nous on la trouve ronde, lui il la trouve plate. Mais finalement, on a tous les deux raison. Les clubs. je dis rien. Les clubs européens, alors. On se rend compte quand même que quand on voit les vous vous rendez pas compte, vous regardez pas la Ligue 1, quelle chance. Mais quand je vois la Ligue 1, je me dis que les clubs européens seront contents de rencontrer les clubs français l'année prochaine. Tu vois, ils vont se dire à chaque fois qu'il y a un club européen qui va tomber sur un club français au tirage au sort, il va faire yes. Il y a qu'un mec qui va faire la gueule, c'est le superviseur, parce que lui il va être obligé de se taper les matchs et dans des stades de Ligue 1 en plus. Alors lui il va pas se marrer. Je voudrais parler aussi, ça c'est un hommage à Daniel, d'Alexander Frey qui arrête sa carrière et nul doute. Que à Bâle, il laissera un grand trou. Et elle est pour toi, celle-là, Daniel. Merci de faire ce cadeau. C'est un cadeau que je te fais. Oh, dis donc, Gilbert. Quoi ? T'as vu, je sais plus quel site nous l'a piqué, le truc de Bâle qui fait son trou. Oui, exact. Une blague aussi géniale, on te l'a piqué, Daniel. Je ne le crois pas. Est-ce que je peux me permettre de parler de quelque chose de sérieux, Daniel ? Je sais que tu n'es pas trop dans ce truc-là. Je crois que tu avais fini. Non. Je voulais parler d'un article que j'ai vu dans l'équipe, je vous l'avais lu, sur un joueur de foot, Mahmoud Sarsak, footballeur palestinien de la bande de Gaza, qui a été arrêté par Israël en 2009 alors qu'il se rendait à sa sélection, puis emprisonné pendant 3 ans, sans moindre procès, pour soupçon de terrorisme alors qu'il était innocent et qu'il vient d'être libéré après 90 jours de grève de la faim et qui a déclaré pendant 45 jours, j'ai subi des interrogatoires horribles, on m'interrogeait dans les températures de moins 7 degrés jusqu'à ce que je m'évanouisse, j'étais accroché au plafond par une main avec juste les hauts des pieds qui touchaient le sol, gna 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 gna. Et je me plains et tout ça, mais le mec, avant de se plaindre, est-ce que lui il a été sorti à la 63e minute contre 3 ? Il a été lui, au lieu de gueuler, il sait ce que c'est que d'être remplaçant de Zlatan Ibrahimovic, un mec qui a jamais rien prouvé, que personne connaît. Il sait ce que c'est que de pas être considéré comme une star, alors qu'il t'a joué à Lorient, avec Morel, Arnaud Leland et Benjamin Janton. Il sait ce que c'est que d'habiter à Saint-Germain-en-Laye, isolé dans une maison de 400 mètres carrés, dans une résidence de propriété, sans aucun petit commerce. T'es obligé de prendre ta Lamborghini pour aller acheter une baguette de pain, il le sait, ça ? Hein ? Avant de se plaindre ? Vas-y, va essayer de vivre à Ramallah avec 300 000 euros par mois. Je peux te dire que le 20 du mois, tu tires la langue. Alors moi, je connais pas ce monsieur-là, Mahmoud Sarsak. Mais avant de se plaindre, il ferait mieux de voir ce qui se passe en Ligue 1. Hein ? Il sait pas non plus ce que c'est lui d'avoir été bafoué, avoir son honneur bafoué par un comique de radio. C'est autre chose que ton truc de chat perché là. Alors excusez-moi. Voilà. Et juste pour finir, je voudrais quand même dire que Gamero, quand je l'ai vu frapper dans la bouteille d'eau, je me suis dit putain, s'il met la même frappe face au gardien de but, je pense que le mec il met pas les mains. Hein, en même temps, c'est pas vrai. Une fois, il a mis un beau but contre l'ETG, une belle frappe. Mais c'était dans un ballon d'Evian. Donc peut-être que c'est ça. Je ne sais pas.